Welcome to a French short story from Ablas. We'll listen to the story with only French subtitles first, and then again with the English translation too. There's a quick vocab review at the end of the video, and you can download an accompanying PDF from the link in the description. Let's start by reading the story with only French subtitles. At 10h, Michel Ardan, Barbicane et Nicole prenaient congé des nombreux amis qu'ils laissaient sur la Terre. Les deux chiens, destinés à propager la race canine sur les continents lunaires, étaient déjà enfermés dans le projectile. Les trois voyageurs approchèrent de l'ouverture de l'énorme tube de fonte, et une grue les fit descendre au sommet du projectile. Là, une ouverture prévue à cet effet leur permet d'accéder à la voiture en aluminium. Nicole, une fois introduit avec ses compagnons à l'intérieur du projectile, entreprend de fermer l'ouverture au moyen d'une plaque solide maintenue en place par de puissantes vies. Les voyageurs, complètement enfermés dans leur prison métallique, étaient plongés dans une profonde obscurité. Et maintenant, mes chers compagnons, dit Michel Ardan, faisons comme chez nous, je suis un homme domestiqué et fort en ménage. Nous sommes tenus de tirer le meilleur parti de notre nouveau logement et de nous mettre à l'aise. L'inconscient alluma une allumette en la frottant sur la semelle de sa botte et approcha le brûleur fixé au réceptacle. L'hydrogène carbonisé qu'il contient, stocké à haute pression, suffit à éclairer le projectile pendant 144 heures, soit 6 jours et 6 nuits. Le gaz s'enflamme et donne ainsi au projectile l'aspect d'une pièce confortable aux murs épais, meublé d'un canapé circulaire, et dont le toit est arrondi en forme de dôme. Les objets qu'il contenait étaient solidement arrimés contre le rembourrage et pouvaient supporter le choc du départ. Humainement parlant, toutes les précautions possibles avaient été prises pour mener à bien cette expérience irréfléchie. Michel Ardan examina tout, et se déclara satisfait de son installation. Le chronomètre de Nicole marquait 10h20 lorsque les trois voyageurs furent enfin enfermés dans leur projectile. Ce chronomètre était réglé au dixième de seconde près par celui de l'ingénieur Murchison. 10h47 minutes, murmura le capitaine. 20 secondes de plus. Barbicane éteignit rapidement le gaz et se coucha près de ses compagnons, et le profond silence ne fut rompu que par le tic-tac du chronomètre. Soudain, un choc épouvantable se fit sentir, et le projectile, sous la force de 6 milliards de litres de gaz, monta dans l'espace. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. À 10 heures, Michel Ardan, Barbicane et Nicole prenaient congé des nombreux amis qu'ils laissaient sur la Terre. Les deux chiens, destinés à propager la race canine sur les continents lunaires, étaient déjà enfermés dans le projectile. Les trois voyageurs approchèrent de l'ouverture de l'énorme tube de fonte, et une grue les fit descendre au sommet du projectile. Là, une ouverture prévue à cet effet leur permet d'accéder à la voiture en aluminium. Nicole, une fois introduit avec ses compagnons à l'intérieur du projectile, entreprend de fermer l'ouverture au moyen d'une plaque solide, maintenue en place par de puissantes vies. Les voyageurs, complètement enfermés dans leur prison métallique, étaient plongés dans une profonde obscurité. Et maintenant, mes chers compagnons, dit Michel Ardan, faisons comme chez nous, je suis un homme domestiqué et fort en ménage. Nous sommes tenus de tirer le meilleur parti de notre nouveau logement et de nous mettre à l'aise. L'inconscient alluma une allumette en la frottant sur la semelle de sa botte, et approcha le brûleur fixé au réceptacle. L'hydrogène carbonisé qu'il contient, stocké à haute pression, suffit à éclairer le projectile pendant 144 heures, soit 6 jours et 6 nuits. Le gaz s'enflamme, et donne ainsi au projectile l'aspect d'une pièce confortable aux murs épais, meublée d'un canapé circulaire, et dont le toit est arrondi en forme de dôme. Les objets qu'il contenait étaient solidement arrimés contre le rembourrage et pouvaient supporter le choc du départ. Humainement parlant, toutes les précautions possibles avaient été prises pour mener à bien cette expérience irréfléchie. Michel Ardan examina tout et se déclara satisfait de son installation. Le chronomètre de Nicole marquait 10 h 20 lorsque les trois voyageurs furent enfin enfermés dans leur projectile. Ce chronomètre était réglé au dixième de seconde près par celui de l'ingénieur Murchison. 10 h 47 minutes, murmura le capitaine. 20 secondes de plus. Barbicane éteignit rapidement le gaz et se coucha près de ses compagnons, et le profond silence ne fut rompu que par le tic-tac du chronomètre. Soudain, un choc épouvantable se fit sentir, et le projectile, sous la force de 6 milliards de litres de gaz, monta dans l'espace. Let's recap over the vocab we found in the story: Earth, Terre. Home Domicile Night Nuit Engineer Ingenieur Space Espace Subscribe for more content like this and check out the website for more language learning resources and fun games thanks for watching